Salut tout le monde, c'est SGamer54 et on se retrouve pour la suite, l'épisode numéro 4, si je dis pas de conneries, de Kingdom Hearts 358 de Days. C'est parti, on perd pas plus de temps, c'est arrêté à 152. Prends des gants. Let's go, c'est parti les amis. Rosas se demanda pourquoi Zion se comportait aussi bizarrement. Asel arriva et demanda à Rosas ce qui n'allait pas. Selon Asel, les filles étaient compliquées et qu'il fallait prendre des gants avec elles. Rosas eut peur d'avoir mal agi avec Zéon, mais Asel lui assura que Zéon allait bien. Ok, 153, des jours étranges. Rosas et Dern virent Hercule celui directement à temps de fil. Phil dit qu'il avait pu y avait des fois Hercule. Plus ses entraînements concernaient, Rosa se dit donc l'organisation lui confierait des missions difficiles parce qu'elle avait froid en lui. Cependant, Rosa ne comprit pas qu'il avait froid en quelqu'un. Voulait dire. En plus, la musique, franchement, elle est énorme. Rosa se mit à manger des gars tout seul après ses missions, vu qu'il était fâché avec Zéon. Alors, les amis, les musiques que vous entendez, les endroits que vous voyez, rappelez-vous très bien, parce que on va le voir pratiquement plus souvent dans Kingdom Hearts 2. L'amour. Ah, il n'y a que des paroles maintenant, il n'y a que des choses à dire. Avant de rentrer à Cigarette, Rosa vit la bête blessée après voulu protéger une chose qui voulait très chère. Belle était là pour la consoler. Ils étaient amoureux l'un d'autre. Zadine déclara que le pouvoir de l'amour ne valait rien. Rosas lui demanda ce qu'est ce pouvoir, mais Zadine notait que c'était inutile. De l'expliquer à un simili dépourvu de cœur, il était parti. Resté seul, Rosas s'interrogea sur ce qui c'était l'amour. En haut de l'horloge, Rosas demanda à celle qui était amoureux, mais il n'obtient pas de réponse. Il trouverait peut-être des réponses lorsque Kingdom Hearts serait complété et qu'il aurait un cœur. Rosas regarda le coucher du soleil qui songeait à cela. 172. Le bruit des vagues. Avant de partir en mission avec l'Ursos, Rosas apprit que Zéon avait raté une nouvelle mission et qu'elle était inconsciente. Rosas ignora l'ordre de Sai de ne pas s'en faire par un échec. Quelques Zéon et rendit dans sa chambre. Ah, enfin des cinématiques, les amis. Alors les amis, dans cet épisode, j'essaierai de faire une demi-heure ou 40 minutes, je pense. Comme ça, on approche un peu de la fin, quoi. Shion has no right to be among our number. What do you mean? It's plain to see. I have nothing more to say. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait à Zéon. Un mensonge. Ah, peut-être une révélation aux amis. Asel parla à Rosas des informations qu'il avait obtenues de la part de Zay concernant Zéon. Il dit que Zay revenait sa position sur Zéon selon ses performances à venir. Mais ce n'était qu'un mensonge de la part d'Asel pour assurer Rosas. Action, réaction.
Arme, Spawn et Ram seraient ressasses avec leur mauvais tour. Ils disent de faire des bêtises et surprendre. Les gens étaient amusants, mais Rosas ne comprit pas ce que voulait dire. Rosas continua d'effectuer ses missions, tout en couvrant Zéon. Ouh, 193. Zéon se réveille. Ah, se réveille la petite. Alors là, les amis, c'est un petit peu un spoil. C'est dans Kingdom Hearts 1. Pour ceux qui ont vu bah, tout l'aspect, évidemment, et ben vous avez vu ce passage-là. Oh! You woke up so suddenly, you just startled me. So sorry. Oh. Did you bring me these seashells? Do you hear them? Sleeping so much that me and Axel were getting worried. I'm sorry about that. Kind of weird that we can feel anything at all without having hearts to feel with. Hey, Roxas, don't you have work today? Huh? Oh, I'm about to head out. I'd like to tag along. Don't you need some more rest? I'll be fine. Come on, take me with you. All right. Sure. Alors, il y a Asael, Rosas et Zéon. Shion! Are you worried about her, Axel? Of course I am. It just doesn't seem like you. What do you mean? I mean, you don't like things to be complicated. You know, Roxas, each day, the three of us meet up there for ice cream. Now, why do you think that is? Huh? I mean, if you think about it, I don't need to go out of my way to meet you guys, right? I don't know. You want me to tell you why? It's because you guys are my best friends. We are. Get it memorized, all right? We are best friends. Oh, yeah. Guess we are. Thanks, Axel. You're sweet. Are you feeling better? I just got a little dizzy, that's all. Sorry to worry you guys. Don't scare us like that anymore. Just take it easy today. I will. Thanks, both of you.
194, comme avant. Lors d'une mission, Rosas et Asset visitaient le monde où Rosas avait volé. Rosas raconta au clochette et lui demanda de répondre de la poussière de fée sur eux pour qu'ils puissent voler. Il a mis de flotter dans les airs, mais Asset ne réussit pas à décoller du sol. Rosas dit à Asset qu'il pouvait voler, lui aussi. Et s'il croyait, Asset suivit les conseils de Rosas et se mit à flotter dans les airs. Le duo partit ensuite accomplir sa mission en volant. Rosas passa ses journées à accomplir des missions. Ça va trop. 224. Une harmonie. Ok. Seem to be struggling. A nobody is interfering, I think. A nobody. I keep trying to piece his memory back together. But what if some of the pieces got lost? There would be no way for me to finish. If that happened, and they found their way into someone else, he'd never get them back. Oh, I think he can do without a memory or two. But what if he needs those memories in order to wake up? What if they're the key? Namine, you are a witch who has power over Sora's memories and those connected to him. Are you seeing something I cannot? His memories become her memories. Excusez-moi les amis, si j'ai bougé un peu, excusez-moi. She... Alors quand il y a des écrans tout blancs en fait, ça, c'est pour ça que l'image est un peu floue. Je suis vraiment désolé les gars. You've been to Castle Oblivion, right? Yeah. On fait avec les moyens du bord quoi. What is it like? What's it like? Just an organization research facility. For research, huh? Seems everyone gets sent there all the time, especially you. Although, they never sent me or Roxas. Well, they probably just don't need you there. I'm heading back. Huh? Maybe you're not completely well yet. No, it's nothing like that. Someplace different for a change. You're talking about a vacation with friends. Exactly. I'll join you, if I can. What are you talking about, Chima? It'll be a blast, trust me. Yes, all right. Let's go. De 125, une découverte. Zéon avait l'air déprimé. Elle ne partit sans manger sa glace. Rosas demanda à Asset si elle allait bien, mais il se rebout. Rosas se demanda si Zéon irait mieux, s'ils allaient à la plage ensemble, comme il était promis l'autre jour. Zéon trouva les informations de Sei concernant le manoir Horizon.
Obillion, excusez-moi. Allez, on avance encore jusqu'à 255, le jour le plus long. Très beau film de guerre. Hein. I sent Ouais, je rigole. Axel to Castle Oblivion last night to help expedite the matter we spoke of. I also instructed him to clear out our facilities there. He should return soon. And what of Nominé? Still missing, sir. Ha ha! Where, oh where, could she be? Why, Zibar. It almost sounds as though you know. Continue. Somebody accessed our main computer without authorization. And you expect us to believe you really don't know who it was? As if. Little Papa is turning into a problem. Nonsense. I see no problem whatsoever. Ha ha! Well, no! Apparently you don't. Something you find amusing? The things you hear from a guy with no heart. No matter what unfolds, our plans remain unchanged. Axel, Roxas, and Shion will play their respective roles that Kingdom Hearts has given them. But, sir, Shion... Leave it be. How can you not see how perfect this is? In truth, this is more than perfect. Shion is marching right into the arms of destiny, but to destiny's own time. We need not take any more steps. All we must do is watch with caution and patience. Ouh, c'est chelou ça, les amis. C'est vraiment chelou qu'est-ce qu'il est en train de nous faire. Oh purée, elle a fait. Eh, franchement, les amis, ça devient plus intéressant quand même. Chaque épisode, ça devient intéressant. On apprend des choses et puis tout ça. Since I first
Sora's joined the organization. Man, time flies. So, you got the number memorized, do you? Yeah. Have to hang on to something, right? It's not like I have memories from before the organization. Don't you remember? I acted like a zombie. Right. That first week, you could barely form a sentence. But come on, you're still kind of a zombie. Oh, thanks. Ah, les amis, écoutez bien la musique là parce que vous la entendez très souvent dans Kingdom Hearts 2. You see, light is made up of lots of colors, and out of all those colors, red is the one that travels the farthest. Like I ask, know-it-all. Je pense que ça sera le dernier chapitre, les amis. Bah, pour cet épisode numéro 4, parce que je veux pas que ça soit trop long, parce qu'après, pour la mettre en ligne, ça va être un peu chiant, un peu énervant même. Avec ma connaissance de poney que j'ai, moi, ça mettra beaucoup de temps. Mais bon, après, c'est pas grave. Excusez-moi les amis. Dans la salle de conseil, Zernak dit aux membres de l'organisation que Zeon avait disparu. Il donna ensuite l'ordre de personne née à sa recherche. Déçu par la décision de Zernak, Rosas dit qu'il fallait retrouver Zeon. Mais Zernak lui répondit que tout deviendrait clair au temps voulu. Zernak mit fin à la réunion sur ces paroles. 257. Un rang vide. Les journées passèrent sans Zeon. Assez cessa de venir en haut de l'horloge et Rosa se retrouvera seule à manger des glaces. Une grande confusion. Ouais, vous voyez, on voit bien des passages du premier, et puis tout ça, c'est un truc de fou, quoi. Pour ça, je vous ai dit, les amis, c'est pour ça aussi que je fais dans l'ordre chronologique, comme c'est marqué sur le site officiel de Kingdom Hearts. C'est pour mieux comprendre l'histoire, en fait. Et la preuve est, on comprend vraiment des choses... Ouais, on comprend vraiment des choses, quoi. En fait, c'est logique, en fait. Quand on suit bien les épisodes un par un, quand on fait tout dans l'ordre, c'est vrai, c'est un peu logique qu'on voit des choses comme ça dans les suivants, et puis tout ça. Oh, c'est Kiwi. You must have known that this was going to happen. Why would I know? Because in your memory, you've been to a number of worlds before you came to this one. And of course, in those worlds, there are human beings you met with the Dark Heart. That's all that's left in your heart. The darkest memories. Your memories of long gone. What? I remember. It was to look after Sora.
sorry. I'm not sure I've kept that promise very well. Can you tell me what's happening? Some of Sora's memories are missing. How could that be? Et c'est la première fois que je vois les amis à l'épisode là. Bah surtout sur ce jeu 358 de DS, parce qu'en fait ce jeu là est sorti que sur DS. Et moi j'avais pas de DS au moment là, quand il est sorti. Isn't there a way to bring back just Sora's memories? If they're still separate, then I think I can take out fragments of it. But if her memories and Sora's memory fragments are completely weaved together, I would need to untangle them from each other. And that would take more time. Which means it would take even longer before Sora can wake up again. And Diz wouldn't tolerate that. So what can you do? If I just jump in and rearrange her memory, then Sora might wake up. Only to find out that nobody remembers him anymore. That's a risk I just can't take. It's too late either way. Sora's awakening has already been delayed. Sora's nobody, and the one that's absorbing his memory. None of us imagined that they would fight so hard to become their own people. Unfortunately, the only real solution is for them both to go away. Did you know? Her face was blank at first. But now, there's a face that is clearly visible. I think that's proof that she has entered Sora's memories. Sora's memories. Sora's nobody's memories. And her memories. They're all a jumbled mess now. And to put them back into one, I'm afraid there's no other way. All right. Isn't that I'm not supposed to exist? Well, what do you want to do, Xion? I want to be with you two. Then come back with us. I can't. Not the way I am now. But what would it take for me to be like you? Hey, it's been a while. You think so? So, I went to the beach today. And there was this girl who looked kind of like Xion. But I couldn't get close enough to tell for sure. I probably imagined it. To be honest, I'm not even sure today's mission really happened. Feels like I just woke up from a dream or something. Do you remember our promise? When we said that the three of us would go to the beach on our next break. Maybe that's why. Maybe I saw Xion there because I wanted her to be there. Wanna go look for her? Use our spare time to find Xion. Mm-hmm. Sounds good. Let's do that.
Eh ben c'est nickel, on va conclure comme ça l'épisode. On s'arrête à 277 à sa recherche. Bon voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, ça fait déjà une demi-heure de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Alors là on a appris des nouvelles choses, des nouvelles révélations et... ouais, franchement, plus l'histoire avance, plus ça devient intense, plus ça devient plus intéressant. Je pense que le prochain épisode, ça sera la fin. Ou il y aura un sixième épisode. Alors, j'explique pourquoi. Parce qu'en fait, quand je suis tout seul chez moi pour le moment, je fais des épisodes comme ça. J'enregistre et puis comme ça, vous entendez personne, vous entendez pas la télé, puis tout ça. Et du coup, si j'ai le temps de vous faire un autre épisode... dans les jours, soit demain, soit après-demain, ou quand je serai tout seul, j'essaierai de commencer de bonne heure. Et puis on verra, en fait, je sais pas du tout. Je sais que ça reste jusqu'à 358, enfin, ça c'est le nom du titre du jeu. Et là, on est à 277. Et si on monte vite fait jusqu'à 358, ça sera le dernier épisode, le prochain. Sinon, il restera un autre épisode après, ça veut dire que ça sera l'avant-dernier. Le prochain, et puis ça sera en 6 épisodes, on verra. Après, quand ça sera la fin de chez Memory, bah, vous verrez cet épisode, bah, ces épisodes-là que j'ai en train de le faire en ce moment, sur 358 de Days. Et je pense, quand vous verrez la fin de display-là, j'aurai déjà peut-être fini Aircoder. Et puis, faudrait j'attends pour commencer Kingdom Hearts 2, évidemment. Bah, je commencerai Aircoder en avance, comme je suis en train de faire pour 358 de Days. Comme ça, bah, il montera juste à faire des jeux avec le gameplay, parce qu'il restera Aircoder à faire avec les cinématiques. Mais sinon, voilà. Voilà, n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je suis désolé pour la qualité qu'il y a en ce moment, parce que voilà, c'est la seule qualité que je peux faire avec mon téléphone. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, bye bye.